Oh bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons Baldur's Bread et ça y est, les révélations sur Lint. Qu'est-ce qu'on va apprendre de lui? Est-ce que du coup ses parents le détestent, tout comme nous le détestons dans les cas? On l'aime beaucoup avec son pull et ses beaux salaires. Très bien, alors c'est parti. Voilà. Maman, papa? Je pense pas qu'il soit là. Maman, papa! Il devrait être là, c'est chez nous. Il serait où sinon? Hey Lynn, c'est quoi ça? On dirait une sorte de note, mais je suis pas très fort en lecture en fait. Ah, c'est une liste de choses à ne pas oublier. Sûrement celle de notre sortie camping dans la forêt des racines quand je me suis perdu. C'est une tradition chez les Leucontes. Papa en fait une pour chaque voyage. Sinon on oublierait tout. Une fois on est parti à la plage sans nos serviettes, ni nos maillots de bain. Eh ben, vous êtes vraiment une famille de tête en l'air. Attends, il y a un truc qui ressemble à des chiffres en haut de la note. C'est juste la date du voyage, pour pas oublier, pour pas qu'on oublie de partir. Attends, Lint, t'es resté combien de temps dans la forêt des racines? Je sais pas, d'après l'odeur de mon pull, j'irai des mois, des semaines au moins. Regarde la date, c'est récent, non? Quoi? Oh, t'as raison, Yagi. Ils ont dû partir pour un autre voyage. Pas moi. On peut être oublié? Ben non, ils t'oublieraient pas. Si? Peut-être qu'ils te cherchent. Tu penses? Ah, j'espère que t'as raison. Sur la liste, il y a une tente, une lampe torche et un couteau suisse. On dirait bien qu'ils sont partis en forêt. Ils me cherchent vraiment? Mais pourquoi on les a pas croisés dans la forêt des racines, Tipin? Tu penses qu'ils se sont perdus? La seule forêt dans les montagnes sacrées, c'est la forêt des bambous. Mais le savent sûrement, non? Ouais, bien sûr. Enfin, j'espère. J'ai entendu parler d'une autre grande forêt au sud des montagnes sacrées. Je sais qu'on a sauvé le monde, mais vous pensez qu'on a le temps de chercher mes parents? S'ils se sont perdus? Bien sûr, mec, on va les trouver, t'inquiète pas. Merci, les gars, c'est vraiment gentil. Voilà, je suis prêt quand vous l'êtes. Du coup, on se retape le dialogue si on. On peut pas rentrer dedans. Je casse tout. Tchoum! Alors. Trouve la trace de la famille Leconte dans une forêt au sud. Alors, il y a en effet un chemin qui mène vers le sud. Ah, on n'est pas allé dans la tour. De la lamazerie. Ok. Par là-bas, non? Pourquoi ça me... Ça ne sauvegarde pas. Pourquoi? Rivière de la vertu. Donne-vous une petite baignade de matinade dans la rivière de la vertu. Vous savez que ces eaux étaient magiques? Mais mon frère, Lars et moi, on est des PC vétérans. Pour PC, il faut lutter. Pour lutter, il faut PC. C'est notre devise. Ok, mais... C'est vrai qu'on a activé beaucoup. Bon. L'habitation d'habiter, MDR, hein, c'est drôle, MDR, DR, DR. On fait, on les tabasse ou on les laisse en vie? Pas trop envie de over le ballon. Lint, il est gun zéro. Dégueuza. Et Ben. C'était où? Les momos. Des beignets cuits à la vapeur et fourrés de différents délices. Impossible d'y résister. Restore 15 PV et 5 PC.
Et c'est du feu. On n'a pas de type feu pour le moment. Ah, là, c'est drôle, on a un pont qui n'est pas abaissé. Ne pas attaquer les arbres revendiqués par des papillons rouges. Oui, ça d'accord. On avait le bateau, on avait le papillon rouge. Et comment on s'est retrouvé avec un pont pas abaissé? ABCD. On tend aussi un lézard. Waouh! La patate qui nous attaque. Non, mais je sais pas ce que ça en vrai. Jamais, j'ai pas compris. Oh. En plus, on n'a pas le barbouille, barbouille-man. Testons le shish kebab. Wow. On donne tout à Tiza. C'est ça les PV ou les... ou les PC. Le lézard, du coup, on l'a frappé, on l'a eu ici. Creusé. Ça va délivrer. Palette de Dub, une nouvelle palette de couleurs pour Dub. Oui, mais on a toujours pas débloqué de palette de couleurs pour Yagi ou Tipin. Pas Tipin en fait. Oui, Yagi, Tipin. Ou Dub encore. Avec ses curseurs là qui n'ont pas très visuel. Ah! D'accord. Le problème c'est que ouais voilà, on redémarre en appuyant sur B, au final il a pas encore respawn totalement, donc le B n'est pas enregistré, la course n'est pas enregistrée, ça va. Voilà. Tout va bien. Oui. Heureusement qu'ils ont dit que les phases de plateforme étaient plus réussies sur Nintendo, je sais plus quoi, Nintendo Master je crois. Ils ont fait le test de ce jeu, ils ont dit « Oh, les pas de phase de plateforme étaient bien plus réussies que dans Paper Mario. » Ah. Je sais pas comment elles étaient dans Paper Mario, mais je vais pas souvenir que c'était l'enfer. Peut-être plus intéressant, parce que plus dynamique, plus... Elle esquive. Où est-ce qu'il faut aller? Bon, à droite. Non, lui, on l'ignore. Ah oui, mais... On va l'ignorer. Vas-y, Tam. On dit encore un lézard, mais... Hatchoum! Hatchoum! Et ben c'est là où on a rencontré notre pote Yagi. On l'entendait plus par là, le caméléon, mais... Moi, il est là-haut. Là-haut, le papillon, il monte pas assez haut. D'autres papillons. Ah, une autre lanterne à casser. Savais-tu que type 1 était quoi? Était sans gluten? Oh non. On a d'autres lanternes en pierre, mais... Je pense pas qu'elle compte dans le challenge.
Et parce que là, du coup, on avait commencé à rusher dans la forêt de bambou parce qu'on voulait absolument une sauvegarde. Ouais. Je me souviens pas y avoir passé tant de temps ici. Oh là là, mais cette agression des ennemis. C'est un plaisir quand on ne veut pas overlevel. Oh là, il est... ah oui, en effet, dub, et là, il est... C'est inquiétant. En PC, on fait une patate, peu importe ce que c'est que cette. Si on regarde le bestiaire, on va nous le dire ce que c'est. C'est un blob mielleux. Ces créatures ont plus d'un tour dans leur sac et ont pris de nombreuses aventures et imprudents à coups de cuillère en bois. La façon dont elles se procurent ces ustensiles fait encore débat, mais les cuillères des fermes des alentours disparaissent à vitesse grand V. C'est du miel. C'est un blob. C'est bien que cette cuillère en bois ressemblait à quelque chose que j'avais déjà vu, mais en effet c'est des sortes de cuillères à miel. Là-dessus. Études des terres en cours, oui, hein, consulter le professeur Rose au village Lama et le Pambiril dans les hauts de Humblevent. Au-delà de la puissante rivière, les lamas suivirent le chant du premier moine, oui. Et là, celle-ci était hors d'atteinte, même pour les meilleurs grimpeurs d'entre eux. Et c'est quoi? C'est le singe, le... Un grand cochon. Plus de bambou, et ils font le saut à la perche. Là, on y est déjà allé. Ça a l'air d'être une progression standard de la zone. On est censé casser ça. Passer outre. Entre les terres agricoles et le village Lama, il y avait du chemin à parcourir. Je me souviens que c'est vrai qu'on a attendu quand même un bon moment avant d'atteindre le village. On cherchait désespérément une sauvegarde. Parce que je m'en souviens plus exactement de ce qu'on a déjà visité dans le dos. Faut enfoncer quand même. Donc ça, je m'en souviens. Ah, là, il y a un qui a un souci. Et attends, une seconde, ma chérie. Je pense que je commence à avoir une cloque entre les orteils. C'était ton idée de faire de la randonnée, Louis. On est des lamas, chérie. Je pensais qu'on aurait plus de talent pour la randonnée. Ah, c'est ceux qui se disputaient via papier interposé. Parle pour toi. Bonjour, on peut vous aider? Ah non merci, ah non petit, merci. Mon époux regrette juste d'avoir voulu faire de la randonnée. En général, il passe ses journées assis à regarder ses cartes de combat. Je ne pense pas que mes passe-temps intéressent ces charmantes personnes, chérie. En fait, j'ai lu une BD qui parlait d'un brûlant sang censé susciter l'éveil spirituel.
Il paraît qu'il est caché au sommet du haut de Humble Vent. Je me suis donc dit que j'allais y jeter un œil. Tu m'as dit que tu voulais juste faire de la randonnée, Louis. C'est vrai, mais j'aime bien avoir un objectif précis. Toutes les bonnes aventures en ont un. Ah, pourquoi je n'ai pas épousé Lionel, plutôt? Je t'ai entendu, chérie. Tu ne l'as pas épousé parce qu'il n'a pas mon caractère pétillant. Bref, je pense qu'on arrivera au sommet, les enfants. Je ne pense pas qu'on arrivera au sommet, les enfants. Mais si vous trouvez ce brûle-encens et parvenez à l'allumer, je serai ravi d'en savoir plus. Un brûle-encens au sommet. Ah. Et encore ces trucs. Peut-être qu'à un moment donné, on apprendra à casser du bois. Non, celle qui reste comme personnage jouable, c'était la détective, je crois. Du coup qu'on sache, ah, sinon c'est du bois, faut le brûler pour avoir du coup le avorton, je sais plus comment il s'appelle. Ah. Oh. Baston. Ah merde, vu qu'il y a l'initiative tibétaine. Encore, reste à 10 PV. Archéologue déterre les anciennes ruines et trouve la relique dans les hauts de Hurlevent. Le couteau météorique, un morceau de météorite dont la forme rappelle un couteau tordu. Il revient toujours vers la personne qui la lance. Un moment. On va appeler ça un couteau. Qu'est-ce que ça se met là? Même j'ai plus de place. Ah, c'est tout petit. Tout petit titi. Ouais, le truc c'est que... Ah. Que j'enlève un des deux alimentaires, je suppose. Soit le shish kebab, soit le... Il y en a un qui est épais, l'autre perçant. Les deux attaquent à distance. Bon, on va faire ça comme ça. Ah, et donc du coup, voilà, c'est de la barbouille. Bon, peu importe ce que c'est que ce symbole. On n'a pas retenu les types. Ok, bon. Retour dans le village lama. Oh non, mais arrêtez avec vos Otupka. On va... Pourquoi ça... Retournez voir Lancelot. Casse toutes les lanternes. Mais celle-là, je l'avais déjà frappée. Il y en a que deux de lanternes. Il y a celle-ci et celle-ci. L'autre, je l'ai tapé deux fois. Pilatant, encore un peu et on serait tous devenus des tartines beurrées sur une montagne de regrets. Oh, c'était moins une. Ouais, évite de prédire des désastres pendant un petit moment de temps, tu veux? Pas d'inquiétude, jeune homme. Toutes les vibrations sont revenues à la normale, mais je surveillerai leur évolution de près. Tenez, prenez cette délicieuse crème glacée dorée. Elle peut éviter les éventuelles catastrophes. On me donne encore de la bouffe. Une crème glacée dorée. La crème glacée ultime, elle te fera peut-être un peu mal à l'estomac, mais ça ne t'empêchera pas de l'avaler tout entière.
Restant 30 PC. C'est le seul truc qui reste en DPR, c'est la sauce champignon, c'est pour ça que je la garde. Mais... Une sombre menace, une menace qui plane sur nous ne semble pas t'inquiéter, Yagi. Bah, il raconte tout le temps ce genre de salade. Ses prédictions ne se réalisent jamais. Wow, il doit être vraiment doué pour les déjouer. Là, on peut pas y sauter parce que du coup, c'est soit on est proche de lui, si c'est bon ça. On se rapproche trop de la part. On a chopé deux. Et du coup, en point de compétence, on est. On a 5. Ça, c'est pour l'int. Moi, du coup, je swap sur Yagi. Obligé d'abord de l'équiper dans ça, faire ça, et à revenir dans là. Outil circulaire 3. Yagi provoque l'ennemi le plus proche de lui dans un combat à main nue. On devrait appeler ça un combat à pied au visage. Il y aura, lorsque la jauge atteint le vert, deux fois dégâts marteau normaux. On va remplacer peut-être ce coup de pied karatéka, même si le coup de pied est gratos. C'est le premier tout unique. On va essayer de prendre autre chose. 6 surtout, mais c'est du psy. Yagi attaque un ennemi avec un pied circulaire si puissant que toute la région sent ses vibrations. Je peux pas. Je peux pas parce qu'il faut d'abord débloquer ça. Pour ensuite avoir accès à ça. Il y a du feu ici. Un truc gratos. Gratos, j'ai du mal à m'en séparer parce que. Et c'est pas non plus. T'as pas l'infini. Du coup, c'est un peu dommage parce que là, on avait la réduction, mais. On les a achetés avant, donc au final. Mais là, il y avait une lanterne qu'on a pas frappée. Bon, en fait, il fallait juste taper 4 fois. Si ça se trouve, il y avait 4 lanternes, il fallait taper 4 fois. Tu pouvais taper 4 fois sur la même lanterne, c'était ok. Bon, allez, on va monter du coup. Les monts. On est parti. Ah, bienvenue. Si vous venez pour le tournoi, vous êtes au bon endroit. Ouais, ils sont solides, ils sont pas fêlés donc du coup ils se cassent pas. Par contre c'est moins solide, c'est quoi ça? De la gelée de champignons. Quelle belle journée pour un tournoi. La météo est en effet très agréable. Avec l'aide du poisson, du cochon et du sage mystique, les lamas atteignirent enfin la cime de la plus haute montagne. Ils approchèrent du sommet où le premier moine chantait sa merveilleuse mélodie. Les voyant arriver, il leur souhaita la bienvenue et leur montra leur nouvelle demeure, ravi que son chant ait attiré tant de lamas. Pour remercier les animaux qui les avaient guidés, il en fit les gardiens de ce sommet. Les années durant, le premier moine transmit ses valeurs à quiconque l'écoutait avant de se retirer, fatigué mais satisfait. Que la paix et la chance vous accompagnent. Il y avait Pierre, il y a Caillou maintenant. Trois, deux PR supplémentaires au groupe. Ah, attendez. Si on casse, du coup, ça fera contrepoids et il va tomber. Je crois qu'on a eu encore. Ah, oui.
quelque chose. Un beignet. De la pâte frite recouverte de sirop de chocolat et de vermicelle. Un vrai délice. Ressort 3 PR. Ouais, c'est pareil que le sauce champignon, quoi. Du coup, est-ce que en vidant un peu ça, ça fait contrepoids, non? Je peux casser encore ça, non? Non, 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 non. Pas de nouveau, nouvelle histoire. Grava. Si vous venez pour le tournoi, vous êtes au bon endroit. Et la paix et la chance vous accompagnent. Ah, comme il a mis un masque, l'autre. Ah, par contre, ça, c'est une boutique. On a les réductions et on n'a pas encore acheté. Mika. C'est pas un nom de caillou, ça, c'est. Bon sang, quelle journée! J'ai tant de choses à organiser et on ne sait jamais à quoi s'attendre. L'an dernier, un étal entier s'est détaché du flanc de la montagne et a volé sur 20 mètres. C'est pour ça que je m'occupe de l'étal cette année. Je m'appuie dessus quand le vent se lève. Vendant divers objets issus de dons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, tous les bénéfices sont réversés à la lamazerie. Oh, regardez ça, chauffeur de salle. Seulement un PC supplémentaire. On a encore acheté l'autre. Courage bonus. J'achète tout. Mais... Hé, hey, Robin, c'est vous? Non, non. Mais vachement convaincu. Salut, enchanté, moi c'est Tipa. Salut, je suis Rocho Shipper. Ok, vous m'avez eu. Écoutez, je suis pas censé vous parler. Hein, et pourquoi? Uno m'a dit que j'étais en période probatoire. Si Aero me voit en train de vous aider, je pourrais perdre ma licence. C'est pour ça que je participe à ce tournoi, je dois grimper dans le classement. Tu dois aussi faire tes preuves en tant qu'Aero, pas vrai? Je sais que c'est pas juste pour vous, mais la dernière personne qui a critiqué Uno a disparu de la surface de la Terre. Faites attention à vous, les enfants. Hé, hey, c'est vous, les enfants, qui traînent dans la guilde des scribes. Que font des petites crevettes comme vous, ici? Vous risquez de vous blesser. On est là pour gagner. Oh, j'avais pari comme ça depuis longtemps. Tu m'as bien eu, petit. Vous êtes mignons, les enfants. Vous me le rappelez, moi, à votre âge, vous savez. Moi, j'étais petit et faible, avec des petits bras flasques. Vous dites comme ça, les enfants. Un jour, vous deviendrez peut-être comme votre pote Axel, le héros, hein. C'est un faux splendide, non? Je suis surpris qu'ils apprécient autant l'air de la montagne. Ils poussent peut-être autant grâce au magnifique sang provenant de la lamazerie. J'aimerais tellement être un grand arbre au sommet d'une montagne et danser dans la brise au rythme des sangs. Cassanteux. Poussière. Je vous souhaite de retrouver la paix. Ça y est, vous avez trouvé la paix. Sophia. Comme c'est exactant. Le sol tremble à l'appel du combat. Vous sentez? Alors, on se sort d'attaque, minable vaurien. Non, non. Je dois garder mon calme. J'ai choisi de me tourner vers le soleil et seule obscurité m'attend sur le chemin de la violence. Concentre-toi sur des pensées positives. Concentre-toi sur des pensées positives. Ah, les moustiques, vous êtes déjà là? Mais t'es qui, toi? Moi, personne. J'allais pas croire qu'ils aient accepté des andouilles comme vous. C'est censé être une compétition pour les pros. Vous comptez vraiment participer, bande d'insectes? C'est nous que tu traites d'insectes? On va pas seulement participer, on va te mettre une raclée. Ah, préparez-vous à vous faire écraser. Allez, filez. Il est là. Le doyen des banneaux. Oh, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas assisté au tournoi cuit. Vous êtes déjà venu ici, doyen? Venu ici, voyons, j'étais le maître des lieux. Vous avez devant vous un quintuple vainqueur de la couronne rayonnante, les enfants. Quoi? Vous étiez un vrai guerrier? Eh oui, vous parlez à un grand maître du Kuijutsu. Le sol tremblait sous mes pieds. Mes adversaires frissonnaient de peur quand ils me voyaient arriver.
Oh, ça me rappelle tellement de souvenirs d'être ici. L'odeur de sueur, le martèlement des pieds nus sur la pierre. Oh, j'en suis tout ému. Je pourrais affronter un gros caillou et sortir vainqueur. Puis, si vous avez le temps, que pensez-vous de m'affronter? Je vais vous montrer comment on se bat, les jeunes. De nourriture. C'est amusant de deviner qui remportera la victoire, mais divers facteurs entrent en jeu. Statistiques, style de combat et même chance. Prends des notes sur tous les participants, vainqueurs, perdants, paris extérieurs, mais en réalité tout repose sur la chance. Alors on peut acheter des trucs ou Oh mince, c'est moi qui tiens la boutique. Mes excuses, ça m'était sorti de la tête. Alors Cui, tu veux mesurer ta chance de débutant à une vie entière d'expérience en combat? Essaye de m'avoir le vioc. Il a 16 PV et 1 de coups d'armure. Probablement. Il n'aime pas les attaques normales. On n'a pas vraiment le meilleur helper, merde. Lanceur de poireaux. Je te donne attaque. On se débarrasse d'une bénédiction et après on bourre l'emplacement de sac à dos. Vous êtes bien battu, Cui. Il m'arrive toujours au moment où il faut passer le flambeau, j'imagine. Prenez cette spécialité des vanneaux. Si vous tentez, vous vous sentez faible pendant un combat, une bouchée suffira pour retrouver votre énergie. Mais j'ai pas de place, il me casse les reins. Gelée d'or, restant 20 PC. La meilleure gelée qui existe, elle est tellement pétillante que tu auras l'impression de flotter. Ah, on peut le réaffronter. Oh. Mon cœur de vieillard se réjouit de voir des jeunes se cogner. Cui, que t'es comme ça, les enfants. Ah non, c'est juste... Vous voulez qu'on lui reparle. J'ai rien d'autre à proposer. Tipa, Lint, c'est moi, Canel. Ah, Canel, que vous nous avez sauvés, Rocky et moi, dans les mines des blaireaux. Ouais, oui, salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Je venais participer au tournoi et faire découvrir le Kuijutsu au monde entier. C'est quoi le Kuijutsu? Ah, c'est facile, il suffit de... Cui, lancer de poireaux. Hein? Il faut lancer de poireaux, c'était une onomatopée, non, comment on appelle ça? Une didascalie. Bon, Kuijutsu, apparemment, tout est basé sur le lancer de poireaux. Ah oui, oui, ça va changer le monde, c'est sûr. Je sais, j'ai trop hâte. Je peux pas parler aux autres. Allô. Tout le monde compte sur moi, même le doyen des vanneaux est venu, je vais tout donner. Mais quelle belle journée pour un tournoi, Roger. J'espère que ça va saigner. Mais toi, en effet, très agréable.
Il a fait une feinte. Du pognon. Ouais, là, je crois qu'on a pas de lézard pour elle. Ah, merde! Passage de Jade. Ah, oh, voilà le dernier participant. Asseyez-vous, nous allons bientôt commencer. Bienvenue à tous, guerriers aguerris, jeunes pleins d'espoir de notre humble lamazerie. Moi, la sage de Jade, la plus vénérable, je veillerai sur vous pendant le tournoi annuel de la lamazerie et des arts martiaux pour amateurs. Pour désigner un gagnant qui représente nos valeurs, nous souhaitons tester vos aptitudes au combat, mais aussi votre force de caractère. Ainsi donc, vous relèverez dans la lamazerie trois défis, dont chacun sera supervisé par l'un des trois gardiens du premier moine. Le gardien Sylvestre mettra votre agilité à l'épreuve. Le gardien Zouzou évaluera votre esprit. Et le gardien Serge testera vos capacités d'observation. Ceux qui réussiront ces épreuves reviendront ici pour s'affronter dans des combats où tous les coups seront permis. Toutes mes excuses. Le gagnant remportera la couronne rayonnante et deviendra le champion de l'AMA jusqu'à l'année prochaine, et non pas de MMA. Si vous souhaitez participer, vous pouvez rentrer dans la lamazerie. Bonne chance. On y va les gars, c'est parti. On va le Kairam. Est-ce qu'il y a une sauvegarde dans le coin? Est-ce que la carte dit ça? La carte déjà remet toujours au poids zéro. Il y a une sauvegarde. À l'entrée sûrement. Kilomètre, elle va être la sauvegarde. Mais attendez, je suis aveugle. Oh, le haut. Non, c'est bien en haut. On nous dit qu'il y a une sauvegarde ici. La vois pas. Ah, là-bas au fond, à Boutimran. Non, mais du coup, elle s'est barrée. La copine. Non, vous êtes là pour soutenir Canel, vous aussi. C'est la meilleure guerrière que je suis du village. Elle va réduire ses abrutis en bouillie, c'est sûr. J'ai écrit une petite chanson pour Canel. Vous voulez l'entendre? Canel, Canel, c'est la meilleure. Elle va réussir ce test, c'est une terreur. Oh, cette forme, et ce sont des idiots. Ils tomberont sous ses coups de poireau. Yeah! Waouh. Oh, waouh, waouh, waouh. Vous avez remarqué les statues qui bordent le long chemin menant à notre lamazerie? En réalité, ce ne sont pas des statues, ce sont nos frères célestes qui surveillent les voyageurs en route vers notre demeure. Tous les jours, on médite sur le chemin de l'harmonie, en attendant la paix, le poison quitte nos cœurs et nos corps, et la calcification commence. Enfin, les blobs qui ont atteint l'éveil s'immobilisent à jamais. Puisse-t-on atteindre la sérénité d'une pierre chauffée par les doux rayons du soleil? Les blobs tels que moi sont nés dans des endroits sombres et humides, et en tant que moines, nous nous engageons à marcher dans la lumière. On grandit lentement tandis qu'on s'élève vers le soleil. Les plus grands d'entre nous sont aussi les plus sages. Ils ont dédié leur vie aux cinq valeurs de la lumière et aux sagesses bienveillantes. Je peux pas parler à Jacqueline. Cogner le gong. Il me tarde de voir les participants de cette année s'affronter. J'espère que ça va saigner. Hmm. Par contre, ce zoom des zooms, quand tu parles à quelqu'un, c'est un peu perturbant. Ah, mais quelle vue incroyable! Au final, c'est peut-être pas si mal la randonnée. Heureusement qu'on a pu prendre une montgolfière cette fois, j'ai toujours mal aux pieds depuis notre dernière promenade. Ah, j'ai déjà vu certaines de ces guerriers sur tes cartes de combat. C'est Axel juste là, non? Ah oui, bien vu, tu crois qu'ils accepteraient de dédicacer sa carte? Je crois avoir un stylo quelque part. Je me demande si le participant me donnerait des conseils pour mieux jouer. Ah, pas si je leur demande d'abord. Dame. Bienvenue. Ok, let's go sauvegarde. Oh, je capte ici, il vaut peut-être mieux sauvegarder.
Barnabé, bienvenue, jeune guerrier. Vous êtes arrivé au bon moment. La sage de Jade prépare la cérémonie d'ouverture. Lorsque vous serez prêt à entrer dans l'arène de compétition. Et du coup, j'y vais avec... avec Yagi ou avec Lint? Là, on peut mettre un truc ici. On peut mettre le... Il vous remet. Oui, oui. Plus tu accumules de puissance, plus tu deviens fort. Les défis, c'est sympa. Je trouve aussi, on s'inquiète pour rien au final. Ouais, impossible que Yagi s'en sorte. Ah ouais, même le dire en face. Ah, t'es plutôt drôle, Yagi. Si le test d'esprit reposait sur l'humour, t'aurais peut-être une chance. Les défis, c'est sympa. Ouais, je trouve aussi. On s'inquiète pour rien au final, oui. Oui, j'inquiète. Ah! Merde. Escalier. Il y a des ennemis qui se promènent là. Bah oui, bah du coup j'ai plus Yagi, évidemment, ils sont tous faibles au mental. Ah, ils sont tous résistants à l'épée. Deuxième, on l'a pas. Mais j'ai pas en plus de multi-target avec lui. Ah oui, mais en plus c'était un épée. Ah d'accord, j'ai loupé toute ma vie. Il a dit quoi l'autre? Il voulait une attaque spéciale. Encore une fois. Hey bouffe tout. Je m'en fous de Adeline, de toute façon. J'ai pas compris comment on pouvait souper de... d'alliés, mais de manière permanente pendant un combat. Alors que ce soit Adeline qui se prenne la max. Ah, du coup, il a redonné des PR, trop bien. Tournoyant 3. Alors, il va y en avoir d'autres. Évident. Et là, la cloche, vous allez voir, il va être sensible à autre chose.
Ah non, pas des tests d'observation, j'ai oublié mes lunettes. Un peu sombre ici, ça me rappelle les mines des blaireaux. C'était pas très bien fini. Un peu sombre. Je ne peux pas participer au tournoi, sinon je devrais recommencer mon entraînement de moine. Mais je suis incapable de résister à ce défi. Je me moque des conséquences, je veux me battre. On a tout fait. Let's go. Mais pourquoi avoir fait ça? Frappe des ennemis pour déclencher un combat. Merde. Et à chaque coup, je dis des trucs de travers. C'est bien. C'est si faible, je comprends pas. Cette projection astrale est complètement buggée. Attendre le level up plutôt qu'essayer de me soigner, mais bon, voilà. Bon. On a 10 milliards d'objets donc on devrait se soigner. On devrait pas non plus jouer trop l'économie, mais. Ouais, c'est que ça me donne pas assez. Ça a bugué. On peut pas plus. I don't know. Il fait des feintes. Oh là là. BLS. Dingue. Et là. Du gâchis quand même. Voilà, on va résister avec les PC. J'espère que je peux le faire. Oh ouais, ils le font, ils font une feinte. Thank you.
1 fois 3 ou 3 fois 1. Le dernier dinosaure. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai même pas le tuer. Le problème c'est que comment tu veux-tu savoir s'il va feinter ou pas? Une amorce ou ouais, peut-être qu'on peut se protéger des deux. C'est comme si on se protégeait du premier et après on se reprotège du second. Ok, le level up qui va nous full soigner. On va récupérer du coup un item qui est la crème glacée. Une délicieuse crème glacée, partage-la ou garde-la tout pour toi. La vie est trop courte pour se priver. Un restore 15 PC. Concentration, réduit la consommation de courage du groupe de 1. Pas mal ça, non? On va enlever le poison en espérant que personne n'en empoisonne. Glacé, c'est ça? Ouais, les trucs dorés, on va avoir tendance à jamais les utiliser en fait. Mais... faut vouloir les garder pour une situation plus désespérée ou en tout cas quand on a un pool de. Le truc à régénérer qui fait de la même taille. Là il se trouve que avec le gourmet aussi peut-être qu'on devra enlever le gourmet. C'est pas un peu nul en vrai. Ça c'est clairement pas utilisé le minimax. On a bien fait d'avoir le shish kebab. Ah non mais quel enfer à chaque coup. On a bien fait de ferme ta gueule. Voilà. On devrait prendre l'autre, celui de l'épée. Contre... Je m'en souviens pas des autres. Il va avoir. On me fout deux coups de hache dans le fion. D'une crème glacée. Et ça, on s'en fout. C'est de manière évidente un truc à choper, ça, non? Pas du tout, ça se fond pas super bien dans le décor. Guitare. Guitare avec des pics. J'ai essayé de sauter pour avoir plus d'élan, mais. Ça n'a pas du tout marché. Mais d'accord, quand je me cogne, c'est de la merde. Faut pas se cogner. Pas assez. Oh. Ah oui, d'accord, ok. Ça marche là. Hein? Comment ils se gourent les papillons? Ah d'accord, ils partent là-bas parce qu'ils me retrouvent pas. Ils sont complètement cons. Depuis quand ça fait ça? Ah, il faut qu'ils me sautent dessus avant. Et après, c'est à moi de sauter. Hop. Non, c'est de la merde. Mais attendez, mais... On a toujours fait comme ça, on a toujours essayé de se barrer ailleurs. Ah, il y a des escaliers, ok.
Très bien. On n'a pas le droit de se barrer en sautant. Ils sont perdus, les papillons. Des zooms et des zooms de caméra. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Alors. Un donut de gelée. Je répète assez souvent, personne ne remarqua qu'il s'agit en fait de boules de riz. Un restore 3PR. Peut-être qu'elles sont mieux que 3PR que la... le beignet. Ça c'est du normal de flamme, je sais pas. C'est bizarre parce que du coup il y avait des trucs de flamme qui donnaient et PV et PC. Non pas PV, oui PC. Pas à vous bagarrer? Il n'y a pas de, de multi-target type 1. On aurait peut-être dû changer le chiche kebab, quoique. Je sais pas si je peux parce que j'essaye le deuxième coup, alors soit je le fais trop tard le deuxième coup. Ces défis devraient être plutôt simples, c'est le combat qui m'inquiète. Qu'est-ce que je raconte? Je vais y arriver, allez! Faites de votre mieux, et vous inquiétez pas, mais si vous échouez à un test, vous pourrez assister au match de la finale. Bon, ça m'encourage. Un fouet. Un fouet enflammé. Une chaleur mystique se dégage de ce joli fouet doré. D'après la légende, il appartenait à une énorme bête qui s'est enfuie vers l'ouest. Du feu hanté. Na 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 na. Comment on enlève? Annuler, pivoter, sélectionner, confirmer, naviguer, placer. Et enlever A, B. Annuler. Enflammé, ça rentre pas vraiment parce que j'apprenne à faire du Tetris. Du coup, il nous faut la faucille juridique. Peut se faire. Ah, d'accord, ça me l'écrase complètement. Ok, attendez, 2 secondes. Donc, je veux un thé. Donnez-moi un thé! Puis, donc, du coup, donnez-moi un couteau. J'ai pas assez pour le marteau poisson. Et le shish kebab et la faucille. Est-ce que la faucille, on s'en débarrasserait pas? Certes, ça coûte pas trop cher, mais... On va bientôt augmenter notre capacité, donc...
Du coup, on pourrait faire le côté de cuisine qu'est la pochette. Hein. C'est quand même bolossé parce que. Non. Ça va de moineau, on se bouge? Je me concentre. Cui. Eh bien, va te concentrer ailleurs. On est là pour gagner, nous. Arrête de crier. Ça suffit. Petit pain, ce serait pas. Oh non, je peux pas arrêter, je peux arrêter de me cacher, hein. Klein. Hé, regardez là-bas. Et c'était qui, hein? Klein, un des sbires de Fripon. Il devait jeter quelque chose. Je suis enclin à penser la même chose, MDR. Fripon doit être dans les parages. Ce Fripon semble être une vraie galère. Vous allez devoir m'en dire plus sur cette quête. Ah, c'est vrai, on va t'expliquer sur la route. Le couloir sans fond. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de toilette dans le couloir sans fond. Les toilettes sont souvent au fond du couloir. Je peux sauvegarder ta progression ici si tu veux. Ok, bon. 1h03, peut-être du coup une dernière coupure, une dernière pause. Que va-t-il se passer au fond de la lamazerie? Et du coup, est-ce qu'on enchaînera avec le tournoi? On fera tout dans la prochaine VOD et il se passera tellement de choses que vous serez épatés. Des bisous. Tchou tchou tchou.